Salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour les participations au concours, donc pour les 6000 abonnés. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce que je rajoute dans le lot. Ici, trois planches pareilles, donc une planche dans chaque lot. Deux petites étoiles comme ceci. Alors, ça fait bien un petit moment que je les avais achetées, mais j'attendais pour vous les montrer que voilà, je rajoute ça dans les lots. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, ensuite, j'ai reçu la participation de Lunasia. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc, voilà, j'ai tout déjà déballé. Je regarde le prénom pour être sûre. Donc, Lunasia, voilà, c'est bien ça. Donc, merci beaucoup. Ta participation est trop jolie. Donc, elle m'a fait une petite carte comme ceci, avec son petit mot à l'intérieur. Donc, je t'en remercie. Ensuite, elle a fait une création comme ceci. Donc, félicitations. Félicita 6000. Donc félicitations pour mes 6000 abonnés. Franchement, j'adore. Elle a fait une Memory Dex comme ceci avec un renard. Il est trop beau. J'aime beaucoup ce renard. Vraiment, il est trop beau. Et une ATC qui va avec également avec un petit renard. Donc avec le rappel de la banderole comme il y a sur la page ici. Alors, comme dans l'autre participation, ben, je vais mettre en scène la participation donc de Lunasia. Alors, on y va. Alors, donc, je vais coller cette page-là sur la gauche. Alors, j'y vais en direct avec vous, en vous parlant, hein. C'est pas comme mes autres vidéos où je scrappe, puis je mets en sourdine et je fais une voix off par-dessus. Ici, ben, je fais en direct avec vous. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo aussi. Donc, hop, je colle avec mon stick à colle ici, Bison. Ça, c'est des sticks à colle que l'on trouve chez Action. Alors, j'en ai acheté plusieurs. J'espère qu'elles fonctionnent vraiment bien parce que je colle exclusivement toutes mes créas avec ça pour l'instant. Donc, dans mon journal, je colle beaucoup avec cette colle-là. J'espère que dans le temps elle tient, sinon je ne suis pas dans la merde, on m'a dit. Voilà, alors pour l'instant, je vous avouerai que je ne reçois pas beaucoup de participation. J'ai eu beaucoup de demandes pour mon adresse, mais je ne les reçois pas. J'espère que, enfin, est-ce que c'est vous qui ne les avez pas encore envoyés ou alors est-ce que c'est la poste qui traîne? Je ne pense pas parce que. En général, on a quand même les courriers assez rapidement. Mais voilà. À mon avis, je vais devoir prolonger mon concours pour être sûr. Ici, j'ai encore une participation à vous faire en vidéo comme ceci. Donc, pour l'instant, je n'ai que trois participations. Donc, n'hésitez pas. Hein, une dizaine de personnes m'ont déjà demandé mon adresse. Mais si vous ne l'avez pas encore demandé, n'hésitez pas à me le demander. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vais prolonger la date de participation de toute manière. Bref, donc je colle ça là. Oui. Alors, je pense que je vais mettre la carte ici. Je vais mettre en scène la carte ici et marquer participation Lunasia. C'est bien ça, Lunasia. J'ai du mal à retenir ton prénom, désolée. Alors, comme il y a de la dentelle ici, je me dis que je mettrais bien de la dentelle pour agrémenter. Mais comment? Est-ce que je mettrais de la rose? Parce que c'est pas vraiment le même rose, ça fait plus un rose bonbon. Je vais peut-être rester peut-être dans le blanc. Ou je vais regarder si ça irait le vert ici, vert mint. Non, il n'y a pas vraiment de vert mint dans la créa, donc j'ai pas trop. Non. Je regarde ici le doré. Bon, ma foi. Ma foi. Je regarde parce que j'ai plusieurs dents, enfin plusieurs napperons. C'est des napperons. Hein. Ouais, pour rappeler la dentelle. Hésitation, quand tu nous tiens. Je regarde si je préfère la blanche ou la dorée. C'est dur à dire.
Et les gars. Je vais faire ça. Alors, dans ma dernière vidéo où je vous présente mes créations de comment? Du mois de septembre, j'ai reçu des gentils commentaires, donc je vous remercie. J'ai reçu un des derniers commentaires qui me demandait plus ou moins comment je procédais et compagnie. Alors je pense faire une vidéo comment je procède avec mon journal créatif. Vous montrer le avant, le pendant, le après. Donc comment je fais pour retenir tout ce que j'ai à écrire. Comment je fais pour tchic ou tchac et nanani et nananer. Voilà, donc comme ça vous aurez ça quoi. Ouais, et je vais coller, je regarde s'il n'y en a pas deux. Très souvent, ça colle vraiment très très fort. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, je vais vous faire une vidéo. Donc, procéder, enfin, comment je procède dans mon bullet, comment je m'organise, ce que j'utilise comme matériel, ce que, enfin, un peu tout ça. Comme ça, vous aurez la réponse à vos questions, parce que c'est pas la première personne qui me le demande, et je me dis que ben, y répondre directement en vidéo, ce serait pas mal. Comme ça, quand on me le demande une prochaine fois, ben, je peux rediriger. C'est beaucoup plus parlant de voir en vidéo que de l'écrire, je trouve. Donc voilà. Alors, vous avez été aussi nombreux à me dire que c'était une super idée de faire ce genre de réalisation avec les participations que je reçois, que je vais avoir un beau petit carnet souvenir de mes 6 000 abonnés. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça aussi que je le fais, hein. Voilà, je pars vraiment à l'arrache, hein. Je ne me prends pas la tête. J'essaie vraiment de mettre en scène vos réalisations. Voilà, je prends mon matériel. Maintenant, si j'aurais eu des petites découpes, ben, j'aurais mis les découpes. Voilà, je prends tout, enfin, ce qui me vient sous la main, ce qui me vient en tête sur le coup, avec votre style. Donc, je m'adapte à votre style. Vous voyez, là, il y a du napperon, ben, j'ai rajouté du napperon. C'est vrai que ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé de napperon dans mes créas. Donc, c'est bien, ça me fait sortir de mes petites zones de confort, hein. Ouais, le napperon, je ne l'ai pas utilisé depuis bien plus d'un an, bien certain. Bref, alors ici je vais coller la carte. Avant, je vais peut-être marquer donc ici participation. Participation, à mon avis, je vais l'écrire à la main. Et le prénom, je vais voir après. Je vais premier écrire donc participation. J'y vais directement, hein, n'ayons pas peur. J'hésite à faire avec du tamponnage ou avec des lettres comme ceci. Non, je vais faire avec des lettres collées. Ouais, je pense que ça donnera mieux. Et le tampon auquel j'avais en tête sera peut-être un peu trop gros pour écrire le prénom en entier. Donc, vaut mieux que je reste là-dessus. Donc, allons-y, les amis. En avant, let's go! C'est parti les amis. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, hein, avec ben, le nouveau confinement et compagnie. Voilà. On n'a pas le choix, on s'y fait. C'est vrai que des fois on râle un peu parce que ben, voilà, on peut rien faire et tout, mais bon, voilà, c'est la vie. J'ai envie de dire. C'est la vie. Tant que ça ne dure pas non plus 3 ans. Moi je l'ai dit, hein, l'autre fois à mon compagnon. Voilà, c'est sûr que c'est un peu ennuyant, mais voilà, c'est une mauvaise grosse année à passer. Voilà, tant que ça ne dure pas 3 ans quand même. Lou. J'ai du mal avec ton prénom, ma belle. Lunasia. À le retenir. J'ai peur de faire une faute, parce que moi, les fautes, ça me connaît, hein, dans les dates, ça m'est déjà arrivé, dans l'orthographe et compagnie, hein. Nunasia, c'est un beau prénom, j'aime bien. C'est particulier. Nunasia, voilà. Et j'ai pas assez de place. J'avais peur de ne pas avoir assez de place avec le tampon. Et au final, j'ai pas assez de place avec ça. Mais c'est pas grave, je vais.
En plus, j'ai pas mis droit. Ou alors, c'est le participation que j'ai pas écrit droit. Attendez, parce que ça colle bien. Hein. Il y a des fois où il faut que je rajoute de la colle. Et là, comme par hasard, ça colle bien. Ça va aller. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai une collègue qui dit tout le temps, ça va d'aller. Dites-moi hein, en commentaire, est-ce que vous êtes confiné au niveau du boulot ou alors est-ce que vous continuez de travailler? De toute façon, ici, dans le deuxième confinement, c'est quand même beaucoup moins strict. Hein. Les magasins genre Action et tout ça sont quand même ouverts avec certains rayons ouverts. Alors, j'ai été surprise. Un jour, je devais aller chez Action pour aller chercher, je ne sais plus, du déboucheur pour les canalisations. Et à ma grande surprise, le rayon loisirs créatifs était ouvert. Alors, je vous dis, hein, honnêtement, je m'en foutais de que ce soit fermé parce que, ben voilà, je suis quand même dans une optique d'acheter moins pour l'instant. Donc, pour moi, c'était pas plus mal que ce soit fermé. Mais j'avouerai que quand j'ai vu le rayon loisirs créatifs ouvert, je me suis dit, ah, c'est une chose essentielle, le loisir créatif, j'étais fière. Voilà. Il en faut peu pour être fière, hein, mais voilà, j'étais contente de le voir ouvert, rien que pour le fait de me dire, ben, c'est considéré comme quelque chose d'essentiel, le loisir créatif. Voilà. En même temps, enfin, voilà, d'un magasin à l'autre. On ne comprend pas trop les certains rayons fermés, d'autres ouverts. Par exemple, au trafic, il y a le rayon pyjama qui est fermé. Et je disais, ben, c'est, enfin, je veux dire, c'est quand même essentiel dans le sens où il y a certaines personnes qui dorment tout le temps à poil, hein, ou en slip. Et voilà, par malheur, ben, elles sont hospitalisées, mais elles n'ont pas de pyjama. Donc, elles ne peuvent pas acheter de pyjama. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un rayon essentiel. Voilà, ils ont ouvert le rayon lingerie, sauf la lingerie fine, dentelle et tout, le strict minimum chaussettes et culottes en coton. Voilà, ça, ok. Mais le rayon pyjama, je trouve que ça devrait rester ouvert, parce que ben, voilà, comme je vous dis, enfin moi je connais, hein, j'ai déjà connu dans ma famille des cas comme ça de personnes hospitalisées, il fallait aller vite acheter d'urgence un pyjama. Parce que la personne n'avait pas de pyjama. Et pour être un minimum quand même présentable, voilà. Et vêtements, ben c'est pas très, on n'est pas très à l'aise avec des vêtements dans un lit, donc je sais pas. Voilà. Comme quoi, certaines choses ne sont pas forcément essentielles pour certains, mais pour d'autres, oui. Voilà. J'adore ce. En fait, je suis en train de le faire, donc ici il n'y en a que deux, donc voilà. Je ne sais pas encore vraiment le visionner et me dire waouh, waouh, waouh. Mais je sens que quand il sera rempli de toutes vos participations, je serai contente de pouvoir le visionner. Donc voilà. Franchement, je suis contente d'avoir trouvé cette idée sur Internet. Alors, ça et ça, ben, je vais les garder à part. Ça, je vais le garder pour mon carnet d'adresses. Et ça, je vais le garder pour peut-être l'utiliser dans mon journal créatif. Alors, ben, tant que j'y suis, je vais regarder le nombre de minutes. Ouais, je vais peut-être faire la deuxième participation. Comme ça, il y aura deux participations de ma vidéo. Alors, la deuxième participation est de. Alors, j'ai pas encore eu le temps de cacher les noms, donc je ne vous montre pas l'enveloppe. De Valentine. Donc, je sors le contenu de l'enveloppe. Elle m'a mis à l'intérieur des sequins. C'est trop marrant. Alors, je cache l'adresse. Hein. Hop, elle m'a mis des sequins à l'intérieur. Je vais les sortir. Je peux en placer quelques-uns dans ma créa. Comme par hasard, ils ne veulent plus venir. Ça va aller. Ah ben il y en a plein là-dedans. Voilà. Alors, oui, avant de vous présenter la participation de Valentine, je vais mettre le numéro de participation ici de Lunasia. Donc ce sera la numéro 2. Voilà, pour le tirage au sort. Ensuite, donc, la participation de Valentine.
Donc, elle m'a fait une carte comme ceci pour Noël. Elle m'a mis dans son petit mot. Alors, je vais le relire pour être sûre. Oui, elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de comment? De faire une création de Noël. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout, franchement. En plus, c'est trop, trop beau, regardez. Donc, la carte comme ceci. Et elle s'ouvre en... je pense que ça s'appelle du pop-up. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai peur de dire des bêtises, donc je me tais. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Donc, elle a fait un sapin comme ceci avec des cadeaux. Alors, personnellement, nous, on va faire le sapin chez nous. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas le faire vu la conjoncture actuelle. Mais nous, on se dit que voilà, c'est pas une raison de renoncer aux fêtes de Noël. Même si on va être que peut-être deux pour fêter la veille de Noël, ben, voilà, ça compte quand même pour nous, donc on va faire le sapin. Je vous le montrerai peut-être quand il sera fait. Bref, on n'est pas à discuter de ça, on est en train de discuter de la participation de Valentine. Alors, elle me dit qu'elle n'a pas de compte Instagram ou YouTube, mais espère en 2021 ouvrir un compte Insta. Ça lui fait un peu peur, mais franchement, n'aie pas peur, franchement, surtout Insta. Insta, c'est vraiment un média plus... Moi, je trouve, j'ai jamais eu de problème sur Instagram, jamais eu un commentaire déplacé ou autre. Maintenant, c'est vrai, sur YouTube, ça fait un peu plus peur. Mais voilà, on sait gérer de toute façon les commentaires négatifs ou les remarques déplacées ou autres. Donc, franchement, sur Instagram, je crois que tu peux y aller les yeux fermés. Personnellement, je parle bien. Je n'ai jamais eu de soucis avec Instagram. Voilà. Maintenant, je ne fais jamais de contenu polémique ni rien du tout. Maintenant, si tu connais une personne qui a eu des soucis avec Instagram, peut-être qu'elle a fait un contenu un peu polémique ou autre, je ne sais pas. Voilà. Bref. Alors, donc, ici, avec la participation donc de Valentine, qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Alors, elle est trop, trop belle, ta carte. Merry Christmas. J'aime beaucoup les illustrations comme ceci. Franchement, j'adore. Mais que vais-je faire? Ça ne me dit point. Voilà, donc j'ai déjà collé cette partie-ci. Voilà. J'ai pris du matériel dans mon matériel de Noël, tout simplement. J'ai pris ce petit carnet-là et j'ai bien envie d'utiliser des choses qu'il y a à l'intérieur. Je revisionne un petit coup pour voir. Mais non, j'ai envie d'utiliser ça ici. Alors, allons-y. Franchement, chez Action, ils sortent de jolies choses au niveau Noël. J'adore, 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 j'adore. Ah ben, je vous dis, hein, c'est la première créa Noël que je fais de l'année. Donc, grâce à toi, Valentine. Vais recouper un petit peu. Hey, ho, ho, ho. Merry Christmas. Désolée pour les chiens qui aboient à côté, hein, mais c'est la vie. Voilà. Ils aboient quand des personnes passent sur le trottoir. Alors, les chèvres vont bien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment allaient les chèvres. Elles vont très, très bien. Eddie et Malou. Ils sont adorables. Alors, on a fini le box. Enfin, Anthony a terminé de construire le box. Du coup, ici, on attend que Eddie soit totalement sevrée. Et ensuite, on les mettra dans leur box. Ici, pour l'instant, elles sont dans le garage. Mais par facilité, pour l'instant, on les garde près de nous. Enfin, voilà. C'est par facilité, quoi. On ira quand même minimum 2 fois par jour. Mais là, avec le bibi, on se dit que vaut mieux peut-être rester qu'il reste là près de nous. Alors, j'ai pris aussi les masking tape.
Oh, j'adore. C'est trop beau. J'adore. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. La fille qui chante, ça va aller. Donc, hein, comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, ce sera un procédé de A à Z, plus ou moins, de comment je procède avec mon journal créatif. Alors oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Vous, vous ne le voyez pas, donc vous en foutez peut-être. Mais j'ai beaucoup de comment de désabonnements. Certainement bah, parce que j'ai dit que je ne ferai plus qu'exclusivement presque que du journal créatif. Que bah, si je voulais, je ferais une page de scrap, mais ce serait vraiment très 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 rare. Alors, sachez que moi, ça me convient, le désabonnement, parce que je préfère avoir moins d'abonnés. Vous voyez, le ratio vues abonnés. Moi, j'aime pas avoir beaucoup d'abonnés et qu'il n'y ait que 500 vues sur une vidéo, par exemple. Je me dis que c'est ridicule d'avoir autant d'abonnés pour si peu de vues. Du coup, moi, j'aime bien que les gens se désabonnent parce que je n'aime pas avoir des abonnements fantômes. Donc, je vous dis, si vous êtes perdu sur ma vidéo, vous êtes arrivé jusque-là. Ça m'étonnerait que vous soyez arrivé jusque-là. J'aurais peut-être dû en parler en début de vidéo. Mais désabonnez-vous si vous ne si ma chaîne ne vous convient plus. Désabonnez-vous. Moi, je préfère, franchement. Et voilà. Je suis peut-être la seule et une des rares personnes à dire ça, mais moi, je préfère qu'on se désabonne. Je déteste voir beaucoup d'abonnés pour pas beaucoup de vues. Voilà. Et ici, ben, malgré tout, j'ai quand même moins de vues. Alors ça, c'est de ma faute aussi, hein, parce que j'ai beaucoup été absente et compagnie. Donc, YouTube envoie certainement moins de notifications aux personnes qui me suivent généralement. Donc, voilà. Parce qu'en plus de ça, j'ai déjà eu des commentaires sur Instagram. Donc, je partage souvent mes vidéos publiées sur Instagram. Et on m'a déjà dit sur Instagram, c'est bizarre, j'ai pas vu ta vidéo dans mon fil d'actualité. Donc, je suppose que. Enfin, j'ai déjà entendu parler de ça, hein, donc je suppose que c'est ça. Que YouTube, du coup, comme je ne publie plus beaucoup, bah, il ne s'occupe plus vraiment de la communication de mes vidéos correctement. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais voilà. Il y a peut-être aussi une part de faute venant de ma part, hein, tout simplement, parce que je ne publie pas assez pour YouTube. Mais bon, voilà, hein, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais du coup, oui, donc si mon contenu ne convient plus, moi je préfère qu'on se désabonne. Voilà, comme ça, c'est dit. Maintenant, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, parce que pour les personnes à qui ça ne convient plus, ben, elles n'auront pas. Enfin, ne sont certainement pas restés sur la vidéo jusqu'à maintenant. Mais voilà. Alors là, j'utilise les sequins donc qu'il y avait dans l'enveloppe. Je me sers de tout. Hein. Hop. J'en mets quelques-uns comme ça. Alors, ensuite, je vais marquer, comme d'habitude, la participation 2. Je suis en train de me rendre compte que je dois être certainement une des rares personnes demandant aux gens de se désabonner de ma chaîne. Mais franchement, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Il y a certainement voilà, des vues en moins à cause de moi, entre guillemets, qui ne publie plus autant qu'avant. Je me suis rentré l'aiguille dans le doigt. En direct, ça va aller. Bref, alors ici, je vais noter participation. Alors, je vais réfléchir quelle couleur je vais utiliser. Je remets ça là-bas. Oh, j'ai des sequins partout sur mon bureau. Ça va être la joie pour tout ramasser après. Alors, je vais certainement utiliser ici une typo comme ceci. Oui, très très bien. Donc, je vais marquer participation. J'espère que j'aurai assez de lettres d'alphabet. Il y a des fois où je ne vérifie pas. Comme là, hein, je pourrais vérifier, mais non, j'y vais à l'arrache. Et après, oh zut, il manque une lettre. Je suis obligée de tout retirer et tout recommencer. Ça, c'est moi, mais c'est comme ça.
Partage. Ben oui, partage sa passion. Ça va aller. Participation, s'il vous plaît, Mélanie. Oh là là. Je mérite des claques des fois. Moi, je vous le dis. Hein. Participation, il manquera un i. Ben, je prendrai un L et je me débrouillerai. Hein. Je couperai. Voyez, quand je vous dis que je pars à l'arrache, je pars à l'arrache. Donc, partie, si passion, s'il vous plaît, et pas partie, sa passion. Partie, si. Ah, il manquera deux i. Bravo, Mélanie. Bon, ben oui, c'est simple en fait. Hein. Je vais juste faire ça. Je vais prendre un petit ciseau. Astuce du jour. Bonjour. Alors, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais couper une partie et je vais couper le point du i. Voilà. Je vais mettre le i et coller le point. Alors, ce ne sera pas les mêmes i partout, mais c'est pas grave. C'est comme ça que fonctionne le scrap pour moi. Partie ici. Passion. Le P, s'il vous plaît, merci. Un P. C'est pas le majuscule, hein. Non. Parti ici. Le A, je peux le récupérer enfin. Ah là là, Mélanie. Participation, un T s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un T? Merci. Hop, de nouveau un I qu'il faut que je fasse moi-même. Donc je prends un L. Ouh là là. Celui-là, il a le pot d'échappement bien troué. Je coupe un morceau parce que c'est trop grand. Hop, je coupe le point qui est parti ailleurs. Il veut pas être transformé en I, celui-là. Je suis un L, pas un I. Bon, ça va aller, hein. Je dis des conneries, c'est parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça va aller. Participation. Voilà, un petit O, s'il vous plaît. Oh, non, ça va. Je crois qu'il me manquait un O. Hop. Participation. Voilà. Alors, n'hésitez pas, oui, c'est vrai, je devais déjà vous en parler l'autre fois, mais j'ai complètement oublié. J'ai un compte Vinted, enfin, il me semble que je ne vous en ai pas parlé, je ne sais plus. Enfin, soit, je dors, j'oublie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Donc, je ne sais plus si j'en ai parlé l'autre fois, il ne me semble pas, mais j'ai un compte Vinted, là où je mets donc en vente certains de mes articles, parce que j'ai fait beaucoup de tri. Alors, je suis encore en réflexion au niveau de mes embellissements bois. Je pense que je ne les utilise absolument jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Alors, c'était déjà valable au niveau du scrap. Donc, quand je faisais mes pinces de scrap, j'utilisais franchement. Oui, c'est Valérie, hein, c'est ça? Oui, Valentine, ça va aller. Je suis sûre que depuis tantôt j'ai dit Valérie. Je suis désolée Valentine si j'ai dit Valérie depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui, donc, oui, je faisais donc ma réflexion par rapport aux embellissements en bois. Déjà à l'époque donc où je ne faisais que du scrap, hein, donc mes pages A4 et mon Project Life, j'utilisais très 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 rarement, voire jamais.
mes embellissements bois. Alors ici, du coup, j'ai fait un gros tri il y a bien 3 semaines de là, de ça, pardon. J'ai fait un gros tri dans mes embellissements bois. J'en ai gardé. Mais là, je suis en train de me dire que ça ne sert à rien de les garder pour les garder. Et je pense que je vais finir par tous les revendre. Parce que, ben voilà, dans mon journal, j'évite de mettre quand même trop de volume. Alors, je mets des volumes, genre si c'est des die-cut puffy et tout, c'est encore souple. Là, je me dis, les embellissements en bois, c'est rigide. Donc, c'est pas vraiment l'idéal dans un journal créatif. Donc, voilà, je suis vraiment en réflexion de me débarrasser de tous mes embellissements en bois au final. Je garderai peut-être les. Je ne sais plus c'était quelle marque, ça goûte au scrap, je pense. Je ne sais plus. Il y a une marque comme ça qui fait des embellissements en bois, écriture et tout, mais un peu plus souple. Peut-être que ceux-là, je les garderai. De toute façon, j'en ai pas non plus énormément. Mais au niveau de tous mes autres embellissements en bois, je pense que je vais me débarrasser de tous. Parce que ça me prend de la place pour rien. Et j'ai envie de faire du tri. Tout simplement. Donc voilà. Je suis en train de partir de travers, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le scrap, c'est l'improvisation. Valentine, je ne me trompe pas. Non, je revérifie, tout va bien. Désolée Valentine, tu vas me détester après cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à mon concours, je le répète et répète. Mais voilà. Je kiffe faire ça. Eh ben moi je dis, j'aime bien. Maintenant, j'aurais peut-être préféré que le participation soit plus collé. Je vais voir si c'est fort collé ou pas. Non, il y a moyen. Je vais remettre de la colle pour être sûre, mais voilà. Je vais redescendre le participation parce que j'ai envie que ce soit plus collé au prénom. Moi j'aime bien quand c'est plus serré comme ça. Je sais pas vous, hein, dites-moi. Est-ce que vous préférez quand vous faites de la typographie comme ça, si vous préférez du texte serré ou plus aéré? Moi personnellement, j'aime bien quand c'est serré. Donc je le rapproche comme ceci. Ouais. À mon avis, je vais vous couper ce passage-là où je recolle tout, hein, parce que. Alors là, j'ai eu confiance, hein, j'ai collé sans remettre de colle, mais ici. Comme je décolle, je me dis que c'est pas plus mal de remettre un petit point de colle parce que sinon c'est risqué que ça ne se barre. Voilà, donc j'ai déplacé mon participation. C'est plus collé, je préfère. Alors ici, je vais coloriser une lettre avec du rouge comme ceci. Donc c'est les feutres aquarelles, donc aquamarqueurs de chez Action. Alors donc voilà, je vous montre le. Et là donc il y a le petit mot. Alors, je vais coloriser. Oh, vous voyez, ça a un petit peu coulé. Hop, voilà. Alors, je les ai pris plus pour faire des petites colorisations comme ça, ou alors aussi pour écrire. Donc, je vais coloriser le A. Il faut que je fasse le nuancier encore pour. Parce qu'à chaque fois que je veux prendre une couleur, je dois tester comme ça pour voir si c'est bien la couleur que je veux par rapport à ce que je veux faire. Voilà, juste une petite lettre comme ça, j'aime bien. Oui. Alors, je réfléchis, est-ce que je fais autre chose ou pas? Donc, c'est trop beau, j'adore. Je vais. J'utilise très rarement aussi ça. Je vais regarder peut-être pour utiliser ça, oui. Je vais mettre le petit bordeaux ici. Il me faut une petite feuille pour
faire la première goutte parce que souvent il y a une bulle d'air qui fait que ça fait tout cracra après. Oui. Il faudrait bien que je le laisse sécher avant de refermer. Ça fait des crolles. Je vais tapoter après pour que ça redescende un peu. Voilà. Toutes petites gouttes. Voilà. Et en général, ça redescend hein, en séchant. Et moi, pour être sûre, je tapote sur le coin d'une table. Parce qu'en fait, celui-là, il est un peu plus épais. Il y a certaines couleurs qui sont moins épaisses et d'autres plus épaisses comme celui-là. Et donc, forcément, ça fait une crolle. Donc, ben voilà, pour les deux participations. Donc, merci Valentine et merci Louisiana. Lunasia, pardon, pour vos participations. Désolée pour vos prénoms. J'ai vraiment... Voilà, il faut savoir que j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein, j'ai une information, 5 minutes après, j'ai déjà oublié. Donc, ben voilà. Donc, alors, je vous rappelle, vous pouvez participer à mon concours. Je vais certainement repousser la date de fin. Voilà, donc, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!